Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Bonsoir à tous. tous. Bonsoir, on est en live avec vous. Je dis aussi bonsoir à tous sur Twitch, même si vous êtes vraiment pas nombreux. Ouais, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Bonsoir. Voilà, je prends le temps de vous attendre. En attendant, je dis bonjour à YouTube. Je sais pas combien vous êtes, mais bonjour à tous et à toutes. Une petite dizaine, voilà. Bonsoir, alors ce soir, voilà, on vous a programmé un petit programme. On va vous parler de Mars, de Vénus, de Jupiter. Alors, pas tout à fait dans ce sens-là, je crois. Bon, enfin, on va se caler. Qu'importe le sens. Oui, oui, on va vous parler un petit peu des missions actuelles, faire un petit peu récap, qu'est-ce qui se passe, vous parler des missions à venir. Voilà. un petit panorama, n'hésitez pas évidemment comme d'habitude de poser des questions dans le chat, on va essayer d'y répondre. Alors on n'est pas expert dans évidemment dans toutes les missions, il y a plein de missions, on a encore des inconnus en plus, voilà. Il y a donc, beaucoup de missions aujourd'hui, hein. Voilà, il y a plein de choses, on va essayer de vous faire un panorama un petit peu de ce qui se passe, ce qui se trame en ce moment. C'est pas exhaustif, hein. On en oublie sûrement, il y a peut-être des projets qui vont voir le jour dans les années à venir et on n'a pas idée ou on n'a pas beaucoup d'infos, donc voilà. Bonsoir à tous, en tout cas à ceux qui nous rejoignent maintenant. Si jamais il manque des missions, n'hésitez pas à la fin à partager en commentaire ou dans le chat des missions dont nous n'aurions pas parlé, et comme ça on pourra peut-être en parler une autre fois, comme ça n'hésitez pas à nous en faire part si jamais on a oublié des choses ou des détails techniques importants. Oui, le but des lives, c'est de partager avec vous et surtout d'être interactif, c'est un peu pour ça. Avant, on prépare quand même, on fait essayer des articles de blog, donc Daniel avec Space Kiwi, d'ailleurs je vais vous mettre son lien, il faut que je le retrouve, voilà, je vais vous mettre le lien de Daniel, on parle de choses sur nos blogs respectifs, mais voilà, on voulait un petit peu partager avec vous sur des lives pour pouvoir interagir, parce que le blog, on n'a pas beaucoup d'interactions, quoi. Et voilà. Oui. Dans le blog, on aime bien raconter des choses, mais il y a toute la discussion qui manque, donc c'est l'occasion de soirées comme ça avec vous que nous profitons pour prendre à la fois des nouvelles fraîches et surtout avoir des avis. C'est quelque chose que, personnellement, j'adore avoir, c'est des avis sur des missions en particulier, sur lesquelles voilà, nous pouvons discuter, et ou alors se mettre à la page, tout simplement. Parce que parfois, il manque des choses. Le spatial, en ce moment, l'exploration spatiale avance tellement vite qu'on se perd. Et, donc c'est il un peu le but de la soirée, beaucoup, c'est d'arriver beaucoup, à... Beaucoup de choses, ça c'est voilà. Sûr. Le but de ces soirs, c'est de s'y retrouver un petit peu, qu'on vous propose, voilà, effectivement, comme tu dis, Isabelle, un panorama, vous ayez un peu une vision globale. On n'a sorti que 3 planètes de notre musette. Il y en a encore 5 autres dont on pourrait parler. Mais on va en garder 3 seulement, parce que sinon, en 1h30, ça va pas tenir. Donc, les autres, okay. On en parlera peut-être une autre fois. Bah donc, on commence par Mars. Allez, commençons par Mars. Voilà, alors actuellement, qui on voit sur Mars beaucoup de missions actuelles. Alors, il y a des orbiteurs. On a Mars Express, qui est une des plus vieilles en orbite, avec Mars Odyssey américaine. Donc, ce sont des orbiteurs. On a Mars Reconnaissance Orbiter, il y a Maven, il y a la mission indienne, Mars Orbiter Mission. Donc ce sont des orbiteurs qui font des images, font des relevés de l'atmosphère, ce genre de choses. Voilà. Et ExoMars Trace Gaz Orbiter, donc russo-européen, qui fait pareil des analyses de l'atmosphère. Et puis 2000, sur la surface, on a Curiosity depuis 2012. Vas-y, parle-en-nous d'ailleurs un petit peu de Curiosity. Curiosity, je pense de le présenter au public. C'est un rover qui roule sur Mars depuis plus de 9 ans aujourd'hui. Il a roulé depuis 2012, je vous rappelle, il roule depuis 2012 sur Mars. Il a fait déjà plusieurs dizaines de kilomètres et il continue de faire son petit bonhomme de chemin. Alors, je vais vous en partager dernières news. Pardon. Alors, sur les dernières nouvelles, je suis pas allé chercher loin, je suis allé sur le compte Twitter de l'équipe qui s'occupe du rover. Et comme dernière nouvelle qui a été annoncée, ça date de fin mai,
On a toujours des petites news intéressantes sur Curiosity, entre que ce soit une image, un panorama, un forage, quelques tours de roue autour d'une pierre. Et là, par exemple, une dernière image Ah, mais qui est très j'ai intéressante. fait une bêtise, j'ai raté l'image, moi. Pardon, sur mon live. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, Désolé. Vas-y, vas-y, vas-y. voilà. Alors je continue quand même. Alors, Désolé. c'est une image donc qui a été prise de nuages. Alors, des nuages sur Mars, c'est pas fréquent d'en avoir, mais il y en a quand même. Pour rappel, l'atmosphère martienne est beaucoup plus ténue que sur Terre. Et la pression est beaucoup moins forte, mais on arrive quand même à voir encore quelques nuages. Alors, ces nuages, ce sont des nuages, je crois, qui sont faits d'autres gaz que les 95% de dioxyde de carbone présents dans l'atmosphère martienne. Potentiellement un petit peu d'eau, de l'eau cristallisée peut-être. C'est une information qui reste à vérifier, hein, je le dis. Par contre, cristallisé, ça c'est sûr. Alors, cristallisé, c'est sûr, car ces nuages sont ce qu'on appelle des nuages noctilucents. Alors, Alors, je vous montre. je suis désolée, moi je suis à la ramasse, j'ai fermé le truc qu'il fallait pas. Alors, Ah. ces nuages noctilucents, ça par contre, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Déjà sur Terre, c'est difficile de les apercevoir, parce que ce sont des nuages qui ne sont pas forcément dans la basse atmosphère de notre planète, mais plutôt dans la haute atmosphère. Des nuages de cristaux, des Aïe. microcristaux de glace en flottaison, qui réfléchissent la lumière du Soleil, alors que généralement, il fait encore un peu nuit, alors que le jour, voilà, est déjà passé. En France, on arrive à voir ça à peu près une à deux fois par an, à peu près la même période de l'année généralement. Bon, je crois que c'est plutôt à partir du début de l'automne, à vérifier ça aussi. Sur Mars, c'est un peu plus rare évidemment, parce qu'on pointe rarement une caméra d'un rover vers le ciel. Et donc voilà, à l'occasion, on a pu avoir ces nuages qui descendent martiens. Donc voilà, ça c'est la petite news côté. Côté curiosity, donc je voulais vous parler. Et donc on peut passer à la mission suivante, on peut passer à la succession de curiosity. Oui, donc on va revenir bah, pareil sur le sol. Donc Persévérance qui a atterri au mois d'avril. J'ai déjà. En fait, ça fait 5 jours, 100 jours. 100 jours martiens sur le Mars. Ah, pardon, je viens de voir une question dans mon chat. Est-ce que, Daniel, tu connais la durée de vie du moteur nucléaire de Curiosity? Ah, alors ça c'est une très très bonne Parce question. qu'effectivement, Curiosity, comme Persévérance, sont en fait propulsés avec un moteur à base de plutonium. Et voilà. Et du coup, ça a une durée de vie très, très grande. Je pense que c'est plusieurs années. Je n'ai Oui, pas oui, ça oui, en oui. tête. Il faudrait Là, peut-être t'as, qu'on par cherche exemple, un. la fin de mission officielle actuelle du rover est autour de 2026, sur ce que j'ai vu. Alors, par contre, oui, voilà, l'alimentation électrique du rover ne se fait pas avec une énergie solaire, mais avec une espèce de pile nucléaire. C'est un des éléments radioactifs qui rayonnent beaucoup. Ces rayonnements, on essaie de les transformer en électricité, et c'est ça qui alimente les rovers. Les panneaux solaires, enfin, l'énergie portée par des panneaux solaires ne pouvait pas suffire pour la puissance électrique demandée par le rover. Parce qu'il pèse quand même 800 kilos, il fait la taille d'une Twingo, donc on a besoin de quelque chose de plus puissant que des panneaux solaires pour l'alimenter, parce qu'on est quand même beaucoup plus loin du Soleil que la Terre. Alors par contre, l'avantage, c'est que ces trucs-là, ça vit super longtemps. Comme c'est des sources, comme ce sont des éléments radioactifs, ça peut rayonner assez longtemps. Et généralement, on s'arrête. La puissance fournie devient critique quand on atteint ce qu'on appelle la demi-vie de ces éléments. Et alors là, selon l'élément, alors j'essaie de retrouver l'élément qui qui l'élément nucléaire qui l'alimente. Alors, si je vais ici, production d'énergie, voilà, c'est ça. On est sur un, voilà, on appelle ça donc un RTG, et on utilise 4,8 kg de dioxyde de plutonium, enrichi en plutonium-238. Alors, donc la demi-vie de ces trucs-là, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais c'est assez long. C'est assez Voilà. long. Comme Par dit, équivalence. ouais. Pardon.
C'est assez long. Ouais. Comme dit Non mais bon 1 sur le chat, les roues rendront sûrement l'âme avant le générateur. Ça, c'est exact. Probable. Exact, parce que les roues, effectivement, sont beaucoup plus capricieuses. Mais en termes de comparaison, le plus vieil appareil encore vivant qu'on a envoyé dans l'espace vit depuis maintenant plus de 43 ans. C'est les sondes Voyager 1 et 2. Elles aussi fonctionnent avec l'alimentation nucléaire. Oui. Et elle, voilà, commence à vraiment être défaillante parce que ses sources ont dépassé la demi-vie, ont atteint leur demi-vie, c'est-à-dire la puissance devient difficile vraiment à être suffisante. Oui, et puis il y a la distance aussi. Il y a la distance, c'est surtout que le signal émis par les sondes Voyager commence à se perdre dans le bruit du cosmos, mais c'est le seul effet qu'il y a par rapport à la distance. Sinon, la source elle-même, surtout, commence à être épuisée petit à petit. Mais voilà, en 43 ans, on commence à sérieusement se poser la question. Donc, vous voyez, 9 ans sur Mars, avec Curiosity, on a encore pas mal d'années devant nous, ce qui fait qu'effectivement, ce qui va réduire drastiquement la mission, le temps de vie de Curiosity en tant que rover mobile, ce sont surtout l'état de ses roues. C'est l'état de ses roues. Après, qui vivra, si jamais les roues deviennent trop faibles, ils l'arrêteront, il continuera peut-être encore de vivre, on verra. Je ne suis pas sûr que la NASA ait vraiment envie de poser une date de fin sur cette mission, même si ça dure encore 20 ans. Ok, donc passons à Persévérance. Moi j'ai partagé un selfie de Persévérance avec le petit drone hélicoptère d'Ingenuity. Donc moi je l'appelle comme ça. Donc ça fait déjà 100 jours qu'ils sont sur Mars. Donc, à l'heure actuelle, Persévérance, ça y est, commence, on va dire, sa mission scientifique. Il se dirige actuellement vers le sud de son site d'atterrissage et il va commencer donc les carottages, le premier carottage, dans les jours qui viennent. Donc, ce qui permet, en fait, ce qu'on appelle le carottage, ben, c'est qu'il va aller percer le sol martien et derrière... Il va pouvoir récolter des échantillons et si tout va bien, ils vont pouvoir mettre une partie des échantillons récoltés aussi dans des petites fioles alors très particulières qui seront refermées. Et alors j'ai plus le nom en tête, le nombre en tête, il y en a une quarantaine. Ouais, c'est ça, une quarantaine. J'en avais discuté avec Sylvestre Maurice, un des responsables scientifiques de la mission, enfin d'un des instruments à bord de la mission. Il m'avait parlé de 43 échantillons, mais il y en a un qui est vide, qui va servir de témoin. Ouais. Donc, ouais, peut-être qu'en plus, ils peuvent prendre peut-être des mesures d'atmosphère, on ne sait jamais. oui, donc du coup, ces 42 tubes vont être... Enfin, il va y avoir 42 tubes au fur et à mesure du voyage, on va dire, du roulage du rover sur Mars. Donc, ils vont prélever, je vais y arriver, des échantillons du sol et ils vont... Donc, renfermés dans ces tubes. Ces tubes vont être laissés à certains endroits. Et en fait, on aura la mission Mars Sample Return qui va venir chercher un autre petit rover qui va venir chercher ces échantillons, ces tubes, et qui va les mettre après dans un lanceur, en fait, pour revenir sur Terre. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Mars Sample Return. Ça, c'est une mission qui est à la fois NASA et ESA, donc Agence Spatiale Européenne, pour les retours d'échantillons 2030 et quelques... Mince, 2031. Merci, 31. Oui, voilà. Bon, c'est chaud. Soyons patients. Super. Voilà, il faut être patient, c'est des super projets. Mars Sample Return est en pleine phase de design. Voilà. Donc ça, c'est pour Persévérance, le rover. Donc il va vraiment commencer sa phase scientifique. Maintenant, il y a eu Ingenuity, donc qui est un hélicoptère tout petit qui est vraiment au départ c'était quelque chose pour la démonstration technologique et finalement la démonstration technologique s'avère extrêmement fructueuse. Ils ont réussi les 5 premiers vols comme prévu, donc à le faire monter à des altitudes de plus en plus hautes, jusqu'à 10 mètres. Ensuite, à lui faire parcourir un certain nombre de mètres en translation, de le faire réatterrir, de prendre des photos depuis, parce qu'il y a des petites caméras, depuis l'hélicoptère. Donc tout s'est bien passé. Le sixième vol, c'est plutôt, enfin, aurait pu mal se terminer parce qu'il y a eu un problème informatique, on va dire,
Oui, informatique en fait, de datation des images à l'intérieur de la caméra. Et du coup, le drone a eu du mal à se guider et il a fait un vol un peu comment? Ah, enfin non stable. Et ça aurait pu mal, ça aurait pu se terminer en crash. Finalement, ça s'est bien fini. Et là, le septième vol devrait avoir lieu dans les jours à venir. Au départ, il avait été annoncé éventuellement à partir d'hier, heure américaine, et finalement, il n'a pas eu lieu. Donc, je ne sais pas si tu as vu de ton côté quelque chose d'autre, Daniel, mais Je n'ai je ne pas sais vu pas. d'autres annonces à ce sujet. J'ai pas vu d'autres annonces, donc sans doute, il faut être un petit peu patient. L'équipe du JPL se montre toujours assez prudente, donc Ouais, là, il on est. faut Voilà. vérifier à chaque fois. C'est pas la première fois qu'un vol d'Ingenuity est reporté. Après, là justement, avec Ingenuity, maintenant ils sont passés avec des phases, enfin des vols encore enfin comment dire, mince, Ils sont très longs, hein. enfin, de Le plus en dernier plus vol, il... longs, voilà, de plus en plus audacieux. Ils veulent aller plus loin maintenant pour essayer de, en fait, de montrer le chemin à Persévérance. Le rover va. Le rover va suivre une route prédéfinie, mais ils essayent de finalement que Ingenuity prenne des photos du sol un peu plus loin et en prévision des roulages et pour aider justement la navigation du rover sur le sol. Voilà, donc là on est passé dans une phase plus opérationnelle que de démonstration puisque ça marche bien. Voilà. Je peux rajouter encore un tout petit détail Vas-y. à propos du prélèvement d'échantillons. Ils ont récemment fait un test sur l'échantillon prélevé sur la passation d'une carotte qui se trouve depuis le bout du bras robotique jusqu'au carrousel qui accueille l'échantillon Ah pour oui. ensuite être pivoté. Ils ont fait un test de rendez-vous entre le bras robotique et le carrousel. Je vous montre en. Ah oui, moi j'ai pas pris la photo. C'est vrai C'est un que. GIF, on peut voir ça sur un GIF sur le compte Twitter de Persévérance. Le test date du. Enfin, l'info remonte au 27 mai. Mais ça, c'était un test assez important parce que en tant qu'animateur à la Cité de l'Espace, je fais partie de ceux maintenant qui commencent à manipuler la maquette de Persévérance et notamment le bras robotique. Et effectivement, c'est assez compliqué comme opération parce que c'est vraiment le bras prend une position vraiment bizarre. C'est un peu comme si je faisais une espèce de clé de Ah oui, bras derrière moi pour voilà, je essayer vous fais voir d'attraper le ça. carrousel comme ça. C'est très très bizarre. Voilà, je vous fais voir, c'est sur le compte Twitter, hein, j'ai pas fait, je viens d'aller C'est chercher. particulier, mais c'est impressionnant. Voilà, donc là, ce qu'on voit effectivement, c'est le bras robotique qui va chercher. Donc là, c'est l'animation. Là, je ne voyais peut-être pas très très bien, j'arrive pas à vous le faire mieux. Bon, allez voir sur Twitter, NASA Perseverance Mars Rover, NASA Persévère, voilà, ça permet d'aller voir les dernières actus de Persévérance en anglais. Bon. On passe à la Chine parce que, Passons à la bah, et Chine. oui, en mai, la Chine a atterri sur Mars. Eh oui, la Chine s'est posée sur Mars il n'y a même pas, il y a même pas 2 semaines, je crois à peu près. Ça, Désolé, j'ai pas la c'était mémoire des dates. le 15 mai. Le 15 C'était le mai. 15 mai. Bon, Oui, allez, c'était il y a 3 semaines. c'est bon. Ici, et le rover Shurong. Alors, pareil, la prononciation du nom, il ne faut pas m'en vouloir. Je ne l'ai pas révisé. Et alors, Shurong est actuellement déjà fait quelques tours de roue sur Mars, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors, on peut quand même vous le montrer. Ça fait partie d'une mission de la mission Oui. chinoise Tianwen 1, la première tentative, enfin la première mission chinoise vers Mars. Alors, pas la première tentative, parce qu'ils ont quand même tenté, il y a quelques années une toute petite mission à bord d'un atterrisseur russe qui s'appelait Phobos Grunt. Et la mission s'appelait Yunguo 1. Mais ça s'est mal passé pour les deux missions. Depuis, la Chine a mis en place, notamment avec l'expérience des missions robotiques lunaires, la mission Tianwen 1, avec à la fois un orbiteur et une plateforme d'atterrissage et un rover, le rover Shurong. Alors, le rover Shurong,
Sa capacité de mobilité, elle est absolument dingue. Il fait des trucs absolument uniques. Il est capable de rouler en crabe. Enfin, il est censé, parce que pour l'instant, on n'a pas trop vu. Enfin, C'est je ça. sais pas Alors, dire. c'est pour ça que je dis, Donc là, il est capable de rouler en crabe. À la différence de tous les autres rovers qu'on ait envoyés n'importe où, toutes ses roues sont directionnelles. Alors Voilà, qu'il y a encore je. toutes les roues motrices, mais jusqu'à présent, Curiosity, Persévérance, ce sont seulement les roues avant et arrière sur le train des six roues qui sont directionnelles, ce qui fait qu'il ne peut pas se déplacer sur le côté. Dans le cas de Tianwei, non, enfin de Shuron, lui peut diriger toutes ses roues sur les côtés qu'il veut et donc se déplacer sur les bords, en diagonale, en crabe, quoi. C'est quelque chose d'assez intéressant quand on veut étudier une roche, se déplacer autour. C'est assez. Ça optimise un petit peu plus les mouvements, le temps qu'on passe à faire des manœuvres autour d'un caillou au sol qu'on voudrait étudier un peu plus en détail, par exemple. Alors moi, je partageais en parallèle les images que la Chine a publiées. Hein. On n'en a pas beaucoup. Donc de la descente, de la. Alors déjà, il y avait la descente, la séparation du rover, enfin de la plateforme d'atterrissage de l'orbiteur, et ensuite la descente du rover depuis la plateforme d'atterrissage, qui est plutôt passive, elle, de son côté. Et tout est supporté, les communications, hein, sauf erreur, avec la Terre sont sur le rover et après transmises par Tianwen 1, si je ne me trompe pas. Exact. Toutes les informations sont transmises par cette sonde qui fait le relais. Alors c'est pour ça que les quantités de données venant de Mars côté chinois sont plus faibles, à la différence des missions américaines où on a trois sondes qui peuvent servir de relais simultanément. Nous, côté européen, c'est pareil. En plus, on partage les sondes qu'il faut pour faire le relais. Donc on a des nouvelles assez vite de nos missions sur Mars. Côté chinois, voilà, on avait eu des images très tardivement des premiers tours de roue sur Mars. On avait attendu plusieurs jours, simplement parce que voilà, la sonde Tianwen 1 faisait des orbites autour de Mars encore très, très elliptiques, et si bien qu'elle pouvait passer au-dessus du site qu'à de rares occasions, et il fallait attendre quelques jours avant qu'elle resurvole Shuron, qu'il puisse capturer ses données et les transférer vers la Terre. Alors depuis, ça c'était le 22 mai, nous avions reçu voilà, ces images. De la descente du rover depuis la rampe, et depuis nous étions sans nouvelles. Nous étions sans nouvelles jusqu'à très 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 récemment, jusqu'à aujourd'hui en fait. Oui, voilà, Jusqu'à je aujourd'hui. partage la photo là. Où, Bon, après, c'est pas exceptionnel hein, comme photo, mais c'est une photo de l'orbiteur, enfin, prise de l'orbiteur Tianwen 1 qui présente en fait à gauche une photo avant atterrissage et une photo à droite après atterrissage. Et bah, donc on voit les marques au sol et une partie des éléments qui sont descendus, enfin qui sont. Pardon, qui ont heurté ou atterri sur Mars. Et, ouais, et c'est voilà, ce sont les dernières images que nous ayons pu avoir. Je les montre ici aussi sur Twitch. Donc voilà, c'est la dernière nouvelle que nous avons. Ça ne veut pas dire qu'on a forcément des nouvelles sur l'état de santé Non. de nos deux amis sur Mars, mais voilà, on a des dernières nouvelles. Si on a eu ces images, ça veut dire que Tianwen est repassé au-dessus du site. Alors l'orbite depuis de Tianwen s'est beaucoup plus raccourcie autour de la planète, mais bon, bah, c'est malheureusement avec la communication chinoise en général où il faut s'avérer assez patient. Et c'est quelque chose que personnellement, là, dans le cas de Mars, j'ai un peu de mal à comprendre, vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'attentes. Du moins, on y va, ça, c'est pas, en disant, on n'y va pas YOLO, mais on n'y va pas à perte. Disons, on a réussi à se poser sur Mars, le reste c'est du bonus. Non, il y a toujours un petit peu plus d'attentes que ça, mais il pourrait quand même être un peu plus transparent sur toutes les informations. Ou alors, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas très bien à se débrouiller côté télécom pour récupérer des informations assez régulièrement. Là, pour l'instant, on ne peut que spéculer parce qu'on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Voilà. On sait Bon, pas. Tianwen, voilà la dernière image, on ne sait pas plus. On espère que quand même, pour on va dire la science et pour l'exploration en général, que le rover se porte bien et qu'il va nous ramener bientôt d'autres images et aussi un peu de science. Voilà. Exact, et sachant que justement pour l'avenir de la mission, pour l'avenir de l'exploration martienne côté chinois, il y a quand même une mission de retour d'échantillons qui est prévue.
Il y a une mission de retour d'échantillon qui est prévue à partir de 2028. 2028-2030, voilà, ils vont tenter de faire un retour d'échantillon, mais en une seule fois, en une seule mission. Donc ça, ils vont utiliser pour ça une fusée lunaire qui n'existe pas encore, pour en tenter de tout envoyer. Un peu comme ils l'ont fait sur la Lune avec la mission Chang'e 5. Ils vont tenter de faire pareil sur Mars. Alors ça, c'est très très ambitieux, ils ont encore quelques années devant eux pour tout bien préparer. Mais c'est une grosse mission qui sont sérieusement en train de préparer. Je peux préciser une dernière petite chose à propos des instruments scientifiques qui se trouvent à bord de Tianwen 1. Parce que ben, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, il y en a un que nous connaissons bien. Alors, il y en a plusieurs qui ont été d'ailleurs quasiment des copies quasiment identiques de certains rovers chinois qui ont roulé sur la Lune. Ils ne se sont pas trop embêtés à trop les adapter pour l'environnement martien. La petite nouveauté, c'est une espèce de super cam chinois. C'est un instrument qui s'appelle, attendez, je retrouve son nom, qui s'appelle Mars Code, avec grand S et gros C, et grand C et grand D dans le nom. Et cet instrument est assez particulier parce qu'il y a un petit peu de collaboration française dedans, très légère. Très légère, cet instrument. Ils se sont vraiment inspirés des instruments CamCam et SuperCam, les espèces de caméras laser qui sont à bord des rovers Curiosity et Persévérance. En gros, on tire au laser, mais bon, on tire au laser sur la roche, ça la fait chauffer, à partir de son rayonnement, on arrive à en déduire sa composition chimique. Ça, c'est ce qu'on fait avec CamCam et SuperCam. C'est du Made in France, d'ailleurs piloté une semaine sur deux à Toulouse, depuis Toulouse. Alors, côté chinois, ils ont essayé de faire pareil avec Mars Code. Et pour la calibration de l'instrument, ils sont venus demander quelques petits conseils auprès des concepteurs français à Toulouse. Et j'ai même eu l'occasion de les voir, sauf que ils ne pouvaient pas me répondre. J'ai même eu l'occasion de les voir dans le fameux Carré Mars de l'IRAP, l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, où ils venaient voilà, prendre quelques formations auprès des chercheurs français pour la calibration de leur instrument. Alors, je crois que côté martien, il ne reste plus qu'une mission dont nous pourrions parler. Parce qu'il y a nous aussi qui voudrions aller sur Oui, Mars. alors oui, je voulais parler de d'ExoMars en fait, parce que ExoMars, bah, ça se prépare. Malheureusement, ils ne sont pas décollés en 2020, justement à cause notamment bah, du Covid. Le Covid qui a été quand même très impactant pour les préparations, les opérations de préparation, puisque ça met en œuvre à la fois des équipes russes et des équipes italiennes, des équipes françaises, parce qu'on est sur européenne de façon générale, parce que ExoMars, donc on a une plateforme qui est développée par les Russes, Kazatchok. Vous avez le rover qui est d'ailleurs, oui, je parle européenne, rover qui est développé par Airbus Space en Angleterre. Vous avez le module de croisière, le module d'atterrissage qui sont développés par Thales Alenia Space, qui fait aussi l'assemblage, le maître d'œuvre de toute la mission pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Donc il y a aussi des experts de l'Agence spatiale européenne qui sont impliqués. Donc en fait, il y a énormément de gens impliqués dans la mission, et donc les voyages, bah, comme vous le savez, ont été un peu perturbés en 2020. Donc du coup, il y avait ça, et puis aussi ils ont eu des problèmes techniques sur les parachutes. Alors c'est pour ça que je vous ai mis l'infographie sur les parachutes, parce que en fait, ça demande une très très grosse pour rentrer dans l'atmosphère martienne, il faut freiner. Et pour freiner, même si l'atmosphère est tenue, il faut des gros parachutes. Et en fonction en fait de la dimension et de des caractéristiques de l'atterrisseur, donc Kazatchok, qui supporte le rover, en fait il faut plusieurs parachutes. Donc on appelle ça les parachutes pilotes et aussi après les parachutes principaux. Il en faut deux types. Et en fait, lors des essais en haute altitude ou des essais aussi au sol, il y a eu pas mal de défauts constatés, des déchirements, des choses comme ça, et qui ne permettraient pas en fait
d'atterrir correctement, le parachute qui pourrait se mettre en flamme, qui pourrait se déchirer, donc pas ralentir suffisamment, donc faire un crash. Enfin bon, on n'a pas forcément tous les détails. Et du coup, il y a eu beaucoup de remises en question sur ces parachutes. Et donc, avec le Covid, ça a pris du retard. Et là, la campagne d'essai de ces parachutes va démarrer là en juin. Il devait se faire la semaine dernière un premier campagne de test en haute altitude depuis la Suède. Et finalement, il y a eu un report. Voilà. Il y a des moments où je ne trouve pas mes mots en français, pardon. Devrait y avoir donc cette campagne d'essai de chute en haute altitude donc très bientôt, et tout ça va conditionner évidemment la préparation finale du rover. Voilà. C'est audacieux de notre part de toujours faire confiance à l'expérience russe pour se poser sur Mars, vu qu'ils ont toujours été malheureux, malheureusement. Et les seules fois où vous avez réussi à se poser sur Mars, il y a quand même une trentaine de tentatives de mission. La plupart ont explosé soit sur Terre, soit n'ont jamais réussi à atteindre l'orbite martienne. Il y en a quelques-unes qui ont réussi à tourner autour de Mars. Mais pour ce qui est de se poser, il n'y en a qu'une sur je ne sais pas combien, mais une demi-douzaine de tentatives qui a réussi à se poser sur Mars. Mais on a perdu le signal au bout de, je crois, même pas une seconde. Donc, voilà. C'était un demi-succès, mais c'est le seul, c'est tout ce qu'on a un peu de positif sur l'expérience martienne du côté de la Russie, parce que jusqu'à présent, malheureusement, c'est un peu compliqué. Voilà, je vous ai partagé dans le chat, moi de mon côté, le lien vers l'article que j'ai écrit dernièrement pour vous parler justement de ces tests en parachute, pourquoi c'est important. Et les tests, par exemple, au sol qui ont été faits, l'Europe a été obligée de demander, en fait, l'expertise du JPL, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, par rapport à ces tests de parachutes, et puis pour aussi améliorer les parachutes ou les sacs contenant les parachutes, pour éviter d'avoir des problèmes, enfin, minimiser les risques, en tout cas, pour le vol final. Et parce que le JPL a évidemment une très très grosse expérience dans ce domaine, notamment avec tous les rovers martiens, que ça soit Perseverance, Curiosity, mais aussi Perseverance et Curiosity. Non, j'allais dire autre chose, mais enfin essentiellement avec Curiosity et Perseverance. Donc du coup, l'ESA a demandé l'aide, le support du JPL. Voilà les nouvelles d'ExoMars. Et puis, si je peux quand même faire voir, il y avait ça. Hop. Voilà. Ça, c'est ExoMars qui était en préparation en salle blanche. C'est la Thales Alenia Space à Cannes, où on voit, en fait, il fait un test de rotation. On vérifie son équilibrage. Donc ça, on voit la structure en hexagone qui est le... je vais le remettre... qui est en fait le module de croisière qui permet d'aller entre la séparation lanceur et l'orbite martienne, ou le rendez-vous avec Mars. Et ensuite, au-dessus, vous avez la capsule, en fait, le système qui permet de... Donc, qui englobe à la fois la plateforme d'atterrissage et le rover. Voilà, donc là, on vérifie que tout est bien équilibré, à la fois pour le lancement, pour le module de croisière, pour la phase de croisière et aussi pour l'arrivée sur Mars. Voilà. Une mission bien compliquée, on espère qu'elle finira heureuse. Oui, c'est clair. De tout cœur. Ouais. On espère de tout cœur depuis le temps qu'on la suit maintenant, cette mission. On n'aimerait pas avoir le même déboire que nous avons connu avec ExoMars 2016. Qui s'est malheureusement... Enfin, Schiaparelli, puisque ExoMars 2016... Schiaparelli, l'atterrisseur, voilà. ExoMars 2016... Il y a eu TGO, il y a eu le TGO. Et tu es toujours TGO, lui, il est bien en orbite. Hein. Lui, il marche, Mais par contre, voilà, l'atterrisseur, lui, voilà, avait des problèmes avec sa centrale inertielle, d'après l'enquête de l'ESA, si mes souvenirs sont bons, c'était la centrale inertielle qui n'était pas bonne, et ça avait terminé par un crash, malheureusement. Je me souviens parce que j'avais suivi l'événement en direct depuis la Cité de l'Espace. Je crois que tu étais là aussi, Isabelle.
Je me souviens de la tête d'enterrement qu'avait fait Sylvestre Maurice à ce moment-là. Il avait compris avant tout le monde que ça s'était mal passé. C'était vraiment triste à voir. Alors, je voudrais juste revenir. Il y a Pierre-Henri sur le chat qui a regardé sur le net. Il a trouvé que la durée minimale pour le générateur de Curiosity serait de 14 ans. 14 ans. Ah Voilà. bah, ça nous laisse à peu près jusqu'à 2026, du coup, à peu près. Alors, est-ce que Goulven Perrin nous dit pour le. Il croit que le site d'atterrissage de Tiananmen a été choisi par les ingénieurs plutôt que les scientifiques, donc pas sûr qu'il y ait de grandes découvertes scientifiques. Alors, c'est une des. Effectivement, le but, c'était de se poser dans un endroit plat. Certes, oui. C'est un peu comme les premiers rovers américains à l'époque. Hein. On ne cherche pas les zones compliquées parce qu'il s'est quand même gouré, pardon, trompé de plusieurs dizaines de kilomètres sur le point d'atterrissage visé. Je crois qu'il a fait une erreur de 40 km. Donc, c'est bien si sur 40 km, sur une erreur de 40 km, eh ben, on n'est pas d'obstacle qui viennent nous embêter. Donc, finalement, le cratère G0 a été, pardon, le Utopia Planitia. A été choisi notamment pour ça. Un des deux sites finalistes était de toute façon des sites simples, entre guillemets, pour atterrir. Ok, Si on changeait de planète, Isabelle, eh bien oui, je suis d'accord. Alors, moi si on s'amusait j'étais à partie partir de la sur chaleur. Vénus. Alors d'abord, on va faire parler un peu histoire, parce que Vénus, en fait, pour l'instant, c'est un peu la chasse gardée, on va dire, des Russes, ou des Soviétiques même. Donc, parlons Vénus. Donc, voilà une image de Vénéra 5. Vénéra 5, c'est la première sonde atmosphérique de Vénus en 1969, et elle renvoie des données sur l'atmosphère vénusienne, donc ça remonte à il y a très longtemps. Et bon, après, elle s'est écrasée en fait, enfin, elle est écrasée par la propre pression atmosphérique, donc en altitude de la planète. Parce que alors, Vénus, c'est un enfer en fait, C'est l'enfer, c'est c'est l'enfer, voilà, absolument c'est ça. l'enfer, c'est l'enfer. C'est une planète dont le cycle de carbone s'est complètement emballé. Nous, si notre atmosphère est assez stable, c'est quelque chose que j'ai appris, si notre atmosphère est assez stable, eh bien, c'est notamment parce que le cycle du carbone est lui-même stable. Et bien sûr, il est fragile, notamment à cause de l'accumulation de gaz à effet de serre liées aux émissions terrestres. Sur Vénus, par contre, c'est vraiment parti en vrille. Les gaz à effet de serre en sont extrêmement, extrêmement présents. Du coup, la pression atmosphérique est très, très forte. Et par conséquent, il fait très, très chaud à la surface de Vénus. Tellement chaud que je crois que les sondes Vénéra n'ont pas tenu plus de 90 minutes. Alors, ce que j'ai trouvé, l'atterrisseur, 110 minutes pour pour Vénéra 12. Alors, la première, on va dire, qui est marquante, qui renvoie vraiment des données depuis le sol, c'est Vénéra 7. Donc là, je vous ai mis une image, alors c'est consultable hein, sur le site de Recosmos, ils ont ouvert des archives. Donc 1970, donc c'est la première sonde qui renvoie des données depuis le sol sur une vingtaine de minutes. Et comme vous pouvez voir, c'est assez monstrueux. À l'époque, on envoyait des gros trucs aussi, notamment enfin, Je les crois qu'il y avait Soviétiques. Voilà. plusieurs centimètres de titane d'épaisseur pour la coque. Ouais, il y a des Et choses. l'intérieur était réfrigéré à moins 80 degrés lors du posé. Et petit à petit, ça s'est réchauffé. Et on a perdu le signal au moment où les circuits ont commencé à fondre, en fait, tout simplement. Voilà. Bah, C'est dire que. ouais. C'est quand même voilà Vénus est pas facile, c'est pas une planète facile et les Soviétiques ont réussi quand même des exploits et surtout pour l'époque. Et d'ailleurs, Pour enfin moi l'époque, c'était vraiment très très fort. alors j'ai pas encore fait d'article sur ces missions Vénéra, mais rien que les missions Luna aussi à l'époque. On peut dire qu'ils ont, enfin pour moi, les Soviétiques ont tout inventé, en tout cas sur les missions robotiques, sur les planétaires. Alors, pour les chiffres sur l'atmosphère de Vénus, j'ai le geek dans le chat qui nous donne Ah, quelques chouette. chiffres un peu hallucinants, j'ai envie de dire. 90 bars pour la pression, c'est-à-dire 90 fois la pression de notre propre atmosphère.
Et Ouais, c'est ça. autour de 450 degrés Celsius Bah, Vénère en à moyenne. 7, effectivement, c'est Vénère à 8 en fait qui donne les premières vraiment mesures de température. Donc, c'est ce que j'avais pris dans mes notes. Donc, 470 degrés et ouais, 93 bars de pression. Donc, c'est pour ça, là, on voit sur des images, c'est des grosses sondes pour faire ça, quoi. Je me souviens d'un fun fact à propos de Vénus, où le seul moment où il neige sur Vénus, c'est un fun fact que j'ai appris de technique spatiale, c'est le seul moment où il neige, c'est au sommet des montagnes, mais c'est pas de la neige. Enfin, c'est pas de la neige d'eau, mais c'est du métal qui neige. Et c'est le seul moment où le métal passe, donc le métal s'évapore à la surface. Il se refroidit un peu plus un peu plus haut dans l'atmosphère, il se resolidifie et il retombe. Sont un peu sous forme de flocons, tellement l'impression. Et du coup, il y a des couches de neige métallique sur les sommets des plus hautes montagnes de Vénus. Ça, c'est un fun fact que j'ai appris via technique spatiale, et c'est absolument fou comme planète. Et cette planète, bien qu'elle soit folle, ça a devenu la superstar. Alors, pour parler quand même des missions qui ont existé, je reviens juste un petit peu sur le passé, parce que, en fait, pourquoi je parle un peu du passé, c'est que on a la NASA qui a quand même parlé dernièrement donc de ces nouvelles missions dont on va vous parler un petit peu, en mettant on n'y est pas allé depuis 30 ans. Bah, si, il y a des choses qui sont allées depuis 30 ans, notamment il y a un orbiteur qui s'appelait Venus Express, un orbiteur de l'ESA. Donc voilà une photo, je vous ai mis d'un article que j'en parlais à l'époque, donc en 2015 sur mon blog, parce que la mission s'est achevée en 2015, elle a duré 10 ans. Au départ, elle devait durer un peu plus d'un an et demi. Finalement, elle a duré 10 ans. Voilà, donc il y a eu un orbiteur européen autour de Vénus. Ouais, c'est une mission très très intéressante. Elle a notamment beaucoup aidé pour la cartographie du sol de Vénus. Et je crois qu'elle était équipée d'un radar qui nous permettait de traverser les nuages, parce qu'on ne voit pas la Oui. surface à cause des nuages tellement épais de la planète. Que je crois que c'est une des premières missions à nous avoir donné une cartographie précise de la surface. Ça, c'est encore une fois, c'est une information à vérifier, hein. Bah, C'est un peu un test de. elle a Ce live, c'est un peu fait. un test de notre culture générale. Ouais, l'atmosphère, voilà, l'atmosphère de Vénus, surtout la composition chimique et tout ça. Et donc, à l'heure actuelle, on a une mission en orbite autour de Vénus. C'est alors comment on dit? Akatsuki, Akatsuki. de la JAXA, donc une mission japonaise, donc qui renvoie alors très peu connue, très peu, très très peu, voilà, oui, voilà, connue. On n'en entend pas souvent parler. Akatsuki étant, alors en plus elle a eu un gros problème en fait, elle est venue autour de Vénus avec 5 ans de retard en fait, elle s'est mise en orbite autour de Vénus avec 5 ans de retard parce que elle devait donc atteindre, elle a décollé en mai 2010, elle devait se mettre en orbite autour de la planète en décembre 2010, donc assez rapidement, mais en fait le système de propulsion n'a pas du tout fonctionné et du coup elle s'est retrouvée en orbite autour du Soleil. Donc une orbite super allongée et puis à un moment donné ils ont réussi à refaire fonctionner et la mettre sur orbite. Voilà. Donc pareil, la mission d'Akatsuki c'est percer les mystères de l'atmosphère de Vénus. Parce qu'on veut en savoir plus. Donc, elle a des caméras infrarouges, en infrarouge, en ultraviolet, en ondes radio. Et donc, elle peut voilà, faire des super images. Alors là, je vous ai pré moi, je présente le site Planetary Society, où il y a des images en fait traitées par un certain nombre de personnes, notamment de Damia Buick, qui est une Française qui fait du traitement d'images martiennes et aussi voilà de Vénus. Et on voit des très très belles images de la planète. De la planète. Voilà, sur de très belles images de Vénus par Akatsuki. On entend peu parler. Après, il y a sûrement des papiers qui sont sortis par les scientifiques vis-à-vis des données de la mission. Mais Communication est plus difficile parce qu'elle n'envoie pas d'image. Donc c'est sûr, ça aide pas pour la communication, il me semble.
Bah Il si, me semble qu'ils n'ont enfin, pas d'image. bah si, là j'en présente. Justement, je t'avais mis Alors, le dans ce lien. cas, c'est une Excuse-moi. information que je n'ai pas, alors. Pardon, c'est pour moi. Je t'ai mis le lien, en fait, pour les images là que je suis en train de présenter dans le notre truc partagé. Bah, c'est moi, c'est moi, Pardon. c'est moi. Voilà. Et donc, pourquoi on vous parle de Vénus? Parce que justement, la NASA a présenté, enfin, a sélectionné deux nouvelles missions pour la planète Vénus. Je te laisse commencer si tu veux. Alors, oui, donc la NASA a annoncé donc, pour son nouveau programme, toujours dans son programme Discovery d'exploration planétaire, avoir choisi deux nouvelles missions. Et les deux vont viser Vénus. Et donc, la NASA vise vraiment notre planète voisine cette fois-ci avec deux nouvelles missions, la mission d'Invinci et la mission Veritas. Alors, moi, je vais vous présenter la mission Veritas. Alors, la mission Veritas, attendez que je retrouve mes notes. Et moi, Hop, 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 hop. j'ai perdu les images que je voulais vous présenter. Tout va bien. Désolée. Alors, la mission Veritas, c'est un orbiteur qui va tourner autour de la planète. Il y a plusieurs objectifs, hein. D'abord, un peu de géologie, même beaucoup de géologie, surtout la présence d'eau, détecter la présence d'eau. Actuellement sur la planète, mais surtout un peu dans le passé, et essayer de repérer aussi certains gaz qui sont présents dans l'atmosphère de Vénus. Alors elle est équipée aussi, elle va faire un peu de cartographie avec un nouveau radar cette fois-ci, donc on Voilà. aura une cartographie beaucoup plus précise de la planète avec cette mission-là que celle que nous avons eue avec Vénus Express par exemple. Et donc c'est une mission qui était assez attendue depuis longtemps, je pense, par la communauté scientifique. En tout cas, dans les articles que j'ai vus passer, c'était une mission qui était assez attendue. Mais ce n'est pas la plus ambitieuse des deux missions qui ont été choisies. Qui ont été choisies pour le programme. C'est surtout l'autre mission d'Avinci qui a pour but, je crois, de se poser à la surface. Alors, ouvrir. Alors, est-ce que tu veux en parler? Oui, Je crois que. tu. C'est juste que j'étais en train de chercher l'image d'illustration. Donc, je vous ai mis une illustration avant, c'était de. Hop. Avant, c'était. Donc, Veritas. Et là, donc, DaVinci Plus, hein, c'est une image d'illustration. Ben, c'est plus ça. C'est un orbiteur et surtout un module orbital et surtout une sphère de descente. Alors j'ai l'impression qu'ils reprennent le concept finalement un petit peu de ce qu'ont fait les Russes aussi, où je crois qu'il y a eu une mission aussi de la NASA qui s'appelle le Pionnier Vénus Multiprobe, mais qui date justement de 78. Alors j'ai pas trop eu le temps de chercher ce qu'il en était sur cette mission. Et je ne la connais pas du tout. Donc, du coup, Je ne connais pas non plus. c'est une mission. Donc, une boule de descente, ça permet le long de la descente dans l'atmosphère, bah, d'analyser les gaz qui sont dans cet air vénusien. Voilà. Il va y avoir plusieurs mesures. Et puis, ils espèrent effectivement étudier la surface avec une caméra. Donc, notamment, enfin, une caméra. Voilà. Donc, si la capsule survit à l'atterrissage, bah, peut-être qu'ils vont pouvoir faire des photos ou des images de la surface. Mais le rôle, c'est surtout en fait d'analyser tous les gaz le long de la descente. Voilà. Voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire plus. C'est assez récent et du coup, j'ai pas trop étudié la question en fait. C'est Là, une c'est mission qui est quand même assez encore. ambitieuse. C'est une C'est mission qui est quand même assez ambitieux. ambitieuse. Du coup, là, les. Donc, c'est la première mission de la NASA depuis 1989. Avec eux, ils avaient eu la mission Magellan. C'était un orbiteur uniquement. Donc, c'est pour ça qu'ils disent, ça fait plus de 30 ans qu'on n'est pas allé sur Vénus, quoi. Mais la NASA, pas les autres agences, éventuellement. Et surtout, c'est la première fois qu'ils vont tenter de se poser sur Vénus. Ça, Alors, il y a une bien question. longtemps après les Russes.
Alors, il y a une question. D'après vous, le projet VAMP est-il possible? VAMP. Sincèrement, ça me dit rien. Je suis désolée, là, je Ah oui, alors le suis. projet VAMP. Je sais pas. Alors, bah, on regarde en direct. Alors, ah oui, d'accord, c'est une espèce de plateforme Ah, plateforme. manœuvrable dans l'atmosphère de Vénus. Alors là, je suis sur le site de Northrop Grumman. Attendez, je vais essayer de. On va découvrir ça en même temps. Oui, exactement. C'est très bien. C'est exactement, c'est très bien la DIST 28 de poser ça parce que bah, j'étais passée à côté Découvrir de des projets, ce c'est projet. génial. C'est génial. Merci. C'est l'interaction qu'on souhaite justement. Donc une Bien, merci beaucoup pour plateforme. ce partage. Bah, celui-là, j'avais loupé parce Ah, que pareil. j'avais déjà vu des projets. Alors pareil, un petit peu de drone ou en tout cas de ballon atmosphérique, genre je sais. Mais alors ça. Ça, je ne sais pas du tout. Oh, Moi, bah, je un dirais drone. maintenant, Ingenuity a montré qu'on pouvait faire décoller un petit hélicoptère sur une planète à très faible atmosphère. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas ça, hein? Franchement. Pourquoi pas? Bah, en plus des projets de drones, il y a toujours eu des projets de ballons qui pourraient flotter dans la Je vais me mettre. stratosphère de Vénus. Alors là, du côté des ballons, c'est plus côté français qu'on a fait des propositions. Je crois même qu'il y a une mission. Je crois même qu'il y a eu la mission Vega, c'était une mission Bon européenne. après, Alors là, je je vois vous que. envoie vers Eric Botlander qui en parlait très bien de cette mission sur Clubic. Mais Là, effectivement. voilà, je vois que comment la vidéo date de 2015. Donc je ne sais pas, est-ce que VAMP a été sélectionné ou n'est pas du tout sélectionné? C'était peut-être un projet et du coup, il n'a pas été sélectionné dans les projets NASA. Je ne sais pas. Ouais. Franchement, je ne sais pas. C'est assez étonnamment, ouais. C'est aussi une mission proposée par Northrop Grumman, visiblement, plus qu'à la demande de la NASA, plus que par les laboratoires eux-mêmes. Bah, je sais pas. Là, Voilà. Merci pour cette merci. On va curiosité. regarder. On va regarder. On va regarder. Alors, mais bon, vu qu'il y a déjà deux missions qui ont été retenues, si VAMP voit le jour, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça, par contre, Enfin, en tout cas, pas c'est sous quelque l'égide chose de qui. la NASA. En tout cas, pas sous l'égide de la NASA. Ça, effectivement, on va en parler juste après parce que la NASA va pas être la seule à envoyer des missions. Ou alors, je peux en parler dès maintenant, si tu veux. Ouais, vas-y. Parce que oui, voilà, c'est. Oh, franchement, merci pour la transition, c'est génial. On va parler un petit peu du privé qui veut s'intéresser à Vénus, car oui, en plus de la NASA, bah, côté américain, il y a le privé qui s'y intéresse. Et c'est pas n'importe qui, c'est Rocket Lab. Alors, ça, c'est la société, l'opérateur de lancement par micro-lanceur hein, qui s'appelle l'Electron, qui est installé maintenant qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, qui tire depuis 2017, et qui est plutôt connu voilà, pour mettre en orbite basse des petits satellites, ben, eux, ils veulent envoyer une petite mission vers Vénus. Alors, ça, c'est quelque chose d'absolument fou. Tellement fou que j'ai eu la chance de discuter avec leur PDG Peter Beck dans un interview pour Espace Exploration et je lui ai demandé pourquoi Vénus quoi et simplement c'est un kiff en fait. Vénus est une planète très intéressante, ils préfèrent Vénus à Mars. Alors par contre, ils n'ont pas trop d'idées de quels instruments scientifiques ils veulent embarquer. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont ouvrir au laboratoire. Mais par contre, ils ont déjà conçu, enfin pour l'instant, ils en sont encore au design, mais ils sont en train de concevoir, pardon, une plateforme satellite pour envoyer ça. Mais je vois Hop, je rien vous la sur leur retrouve. site d'ailleurs, j'ai essayé de Alors sur chercher, leur site, effectivement, ça il n'y n'y a est rien. pas. D'accord, Sur ok. le site, il n'y a rien. Parce que ils n'ont pas encore vraiment communiqué dessus. Le seul qui communique dessus sur Vénus, c'est Peter Beck lui-même. La première fois que Rocket Lab s'est mise à parler de Vénus, c'était justement pour accompagner le choix de la NASA pour les missions d'Avanti et Veritas la semaine dernière. C'est dire que c'est très récent. Sinon, c'est plus Peter Beck qui a vraiment un kiff absolu sur cette planète, qui a demandé voilà, à créer une plateforme satellite interplanétaire à partir d'une plateforme satellite qui existe déjà au sein de Rocket Lab qui s'appelle la Photon. Mais voilà, ils veulent rendre ça une plateforme interplanétaire. Qui va faire d'abord une première mission pour la Lune. Là, c'est une mission de la NASA qui s'appelle Capstone, qui décollera peut-être à la fin de l'année, sinon l'année prochaine. Et cette plateforme, voilà,
ils veulent l'envoyer avec. Alors, je ne sais pas si c'est avec l'électron, mais sans doute quelque chose de plus gros, et qu'ils travaillent d'ailleurs sur un lanceur plus gros qui s'appelle la Neutron, mais qui ne verra pas le jour tout de suite. Et cette plateforme, eh bien, devrait permettre d'emporter peut-être quelques petits kilos tout mouillés de charge utile en orbite vers Vénus, ou peut-être même juste faire un simple survol de Vénus. Et voilà, on en est là. Les dates que j'ai vu passer à propos de cette première mission privée pour la planète, eh bien, seraient autour de 2023, 2024, mais c'est des dates qui sont un peu glissantes, hein, bien sûr. Là, évidemment, les images que je vous ai mises, c'est de la simulation. J'ai trouvé ça là à l'instant pour essayer d'illustrer, parce que voir nos têtes, c'était peut-être pas le mieux, mais voilà. Après, Goulven Perrin nous dit, Vénus, la mal-aimée, mérite plus d'attention quand même. Bah, justement, là, la NASA s'y intéresse, Il y en a beaucoup effectivement. parce que on a trois missions américaines pour ça, rien que pour cette décennie. Et c'est pas tout. À trois missions avec celle de Rocket Lab, si tu inclus celle-là, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est pour ça que j'ai trois missions américaines. Mais ce n'est pas tout. Parce on en a d'autres. Vénus est aussi visée par trois autres missions qui voudraient tous partir au cours de la décennie 2020. Nous avons. Je peux parler de l'Inde si tu veux. Ensuite, je te donnerai la parole sur la Russie. Alors, nous avons la mission Shukrayaan. La mission Shukrayaan. Alors, j'ai. Du côté des visuels, on a quasiment rien de cette mission. Sur le design, simplement, parce que pour l'instant, l'ISRO, l'Agence spatiale indienne, n'a pas encore vraiment partagé d'image, de design de cette mission. Mais c'est un orbiteur. Un orbiteur qui va se mettre en orbite polaire autour de Vénus pour faire une étude primaire de la planète. Hein. Alors on rappelle, hein, l'Inde n'en est pas à sa première planète, elle a déjà fait la planète Mars, elle a un orbiteur, Mangalayaan ou MOM, autour de Mars, toujours actif. Donc ils veulent envoyer cette mission. Alors Shukrayaan, on m'a dit que ce n'était pas le nom officiel de la mission, c'est un nom, disons, pressenti, mais ce n'est pas un nom officiel. Mais bon, pour faciliter les choses, on va quand même lui donner un petit nom. Et par contre, cette mission, elle nous intéresse pas mal côté français parce qu'on va y envoyer un instrument. On a un instrument qui va embarquer à bord de Shukrayaan. Un instrument français fabriqué par le CNES. Le CNES est maître d'œuvre. C'est dans le cadre d'un grand partenariat très vieux entre l'Agence spatiale indienne et l'Agence spatiale française. Et cet instrument, on va fournir voilà un nom de l'instrument que j'essaie de retrouver tout de suite, qui s'appellera Viral. Ce sera un instrument qui s'appelle Venus Infrared Atmospheric Gas Slinger. En gros, c'est un espèce de spectromètre. Le spectromètre qui est dé dérivé d'ailleurs de celui d'ExoMars TGO pour étudier voilà l'atmosphère de Vénus. Et donc nous allons fournir cet instrument à l'Agence spatiale indienne pour qu'il puisse embarquer à bord de la mission de la mission Shukrayaan. Et donc pour la date de lancement. C'est un peu difficile parce que les dates de lancement côté indien sont sans cesse reportées à cause de l'impact de la Covid, de la crise sanitaire qui frappe violemment le pays à plusieurs reprises maintenant. La date que je vois passer le plus en ce moment est 2024. Ouais, c'est ce Et que euh, j'allais c'était la dire. date, c'était la date d'un report avant, elle était prévue en 2023. Et ça peut encore bouger, hein, le pays n'est pas encore prêt de se remettre de sa crise. Donc il y a d'autres missions qui passent avant. Et on m'a parlé un peu du spatial indien, ils font les choses les unes après les autres. Donc tant qu'une première mission n'est pas faite, n'est pas réglée, eh bien, on passe à la suivante. Donc Vénus attend son tour. Il y a d'autres priorités avant du côté de l'agence spatiale indienne, notamment revivre pour l'instant. L'Inde est violemment frappée par la Covid. Et tant qu'ils le sont, bah, ça va retarder toutes les missions comme ça d'exploration planétaire. Parce que ce ne sont pas des priorités. Non, et puis ils ont aussi la mission Chandrayaan. Ah, on t'entend plus, Daniel. On Non, n'entend c'est bon. plus?
Ah, c'est moi. C'était une coupure. Non, c'est moi. Pardon. Ils ont aussi la mission Chandrayaan 2, en fait, Exact. pour C'est celle-là qui est retourner prioritaire. qui est prioritaire, c'est essayer de se poser sur la Lune. Ils ont malheureusement échoué il y a quelque temps. Donc, enfin, il y a 2 ans maintenant. C'était en septembre 2019. Ouais, c'est ça. Donc, deux Donc, ans. Et du coup, oui, ils ont un petit peu de. Enfin, ils veulent faire ça avant de peut-être parler voilà, de Vénus. Et effectivement, pour l'instant. Le spatial indien est en pause, on va dire. Voilà. on va dire ça, effectivement. Mais sinon, tout à l'heure, je vous ai parlé de Venera, donc du programme Roscosmos. Donc, ils sont allés jusqu'à Venera, que je regarde, Venera 16. Voilà. Donc, avec des orbiteurs, hein, les derniers atterrisseurs, c'était Venera 14 en 1981. Donc, c'est quand même pas si vieux, finalement. Et là, la Russie a annoncé qu'il faisait une autre nouvelle mission, Venera D. Bon, après, on ne sait pas si elle est complètement financée, si ils vont vraiment y aller. C'est quand même très, très incertain jusqu'à présent, De ce que je cette lis mission. jusqu'à présent, la plupart des observateurs du spatial russe disent que pour l'instant, elle n'est pas vraiment financée. Et Donc, pas que sûr. tant qu'on n'a pas passé ce cap-là, on peut pas vraiment mettre de date à cette mission. Voilà. Pardon, j'ai des problèmes de d'acheter. Alors, on n'est pas pressé, hein, on peut prendre notre temps, ça va revenir. Ça lague. Alors, on fait une toute petite pause le temps que ça revient. Le temps que ça revienne. Désolé, il y a un petit bug, un petit peu de lag. Je crois que ça revient. C'est bon, ça revient chez toi? Ouais, c'est revenu. Ouais, de retour. Ouais, ça a bugué là. On est un peu trop sur la zone, je crois. La bande passante, La la bande bande passante, passante. désolé. Je sais pas, on était à Venera D, donc de la Russie, où on ne sait pas trop si ça va se Ça va se faire faire un jour. vraiment, parce qu'est-ce On le souhaite, que hein, parce que voilà, on a quand même on c'est la le continuité d'un programme prestigieux. tout à fait. Après, les Russes ont des gros problèmes de financement de leur mission, faut être clair. Voilà. Oui, ça, on peut pas se le cacher, effectivement. Et ça, depuis maintenant, de nombreuses années. Alors, on Du peut coup, voilà. terminer avec Vénus, avec une dernière mission. Alors, c'est une proposition de mission, plus Oui. précisément. C'est là, on n'est vraiment pas sûr qu'elle décolle. La mission Envision de l'ESA. Alors là, pareil, il faut que je récupère mes notes. La mission Envision, qui est pour l'instant une mission candidate pour être retenue par le programme d'exploration planétaire de l'Agence spatiale européenne, qui retient de rares missions, hein, faute de moyens pour aller vraiment explorer tout le système solaire comme on voudrait, comme le fait la NASA. Eh bien, cette mission qui compte en fait un orbiteur qui va étudier un peu la planète. Après, voilà, j'ai très peu d'informations sur cette mission parce que je l'ai découvert tardivement. J'en avais toujours un petit peu entendu parler, mais je lui vois maintenant personnellement peu d'avenir, vu le nombre de missions qui partent pour Vénus. Il y a des chances qu'elle laisse sa place à d'autres missions européennes à l'avenir. Mais voilà, no notamment dans cette mission, il devait y avoir un radar SAR, pour être plus précis. Pour voilà encore une fois de plus permettre de sonder la surface. Hein. C'est le seul moyen hein, pour voir la surface, c'est avec du radar, parce qu'on ne pourra pas percer autrement les nuages de Vénus. Et depuis, c'est sûr, hein, depuis la dernière mission à Vénus Express, ou peut-être à Kintsugi, les systèmes embarqués radar se sont beaucoup mieux développés. Scientifiquement, ça peut nous apporter beaucoup plus de précision sur la surface de la planète. C'est sans doute un motivateur. Bon, à l'écran, moi j'avais mis le rapport final donc
d'études qui est partagée par l'ESA, qui explique un petit peu le but de la mission, comment est ça, enfin, comment en fait finalement, comment est prévue la mission, si elle est financée, et je vous ai mis le lien si ça vous intéresse d'aller plus loin. Voilà. Il y a à peu près trois instruments scientifiques. Hein. Nous avons trois instruments scientifiques, dont deux radars. Et l'autre, c'est pour faire de la spectroscopie, quoi. Et vu l'heure, je pense Oui, que on va nous devons passer. changer de planète. Hein. Oui, Il faut qu'on s'éloigne un petit peu plus de la Terre. on va passer à Jupiter. Voilà. Passons donc à Jupiter. Alors, Jupiter, on va parler d'abord de ça. Donc, de Juno. Juno, donc une mission de la NASA qui est en insertion autour de Jupiter, en insertion en orbite. Enfin, en insertion. Oh, pfiou! Pardon, qui En s'est orbite. en orbite, Elle tourne qui autour s'est de Jupiter. inséré autour de, en orbite autour de Jupiter, enfin en orbite de Jupiter, en 2016, en juillet 2016, et qui, après à peu près 5 ans de voyage, donc une orbite très très particulière, en fait assez elliptique, parce que, en fait, bah, Jupiter, on sait que c'est un champ magnétique assez élevé, ils ne veulent pas, détériorer trop vite la sonde, donc il y a plusieurs survols voilà à distance. Par contre, Jupiter nous, enfin il y a, oui donc par contre, par conception, la sonde elle est évidemment protégée, blindée à plein d'endroits pour éviter de comment, d'être endommagée par ce champ magnétique et du coup, en fait, parce que ce que la mission de Jupiter, c'est en savoir plus justement aussi sur ce champ magnétique, faire aussi essayer de sonder un peu plus les nuages et le processus de en fait de formation des nuages sur la planète. Donc il y a pas mal de publications scientifiques qui sont publiées régulièrement en fait et aussi bah, Juno nous met des superbes images Magnifique. de la mission. Donc là, je vais pouvoir vous mettre le lien éventuellement sur cette page où vous pouvez aller voir des images processées par soit des scientifiques, soit par des amateurs, on va dire, enfin des amateurs éclairés, hein, à partir des données de Juno où on peut voir des superbes images. De la planète. Voilà. Donc, quelques extraits. Il faut que ça charge. On voit très bien tous ces nuages, justement, la grande tache rouge. Donc, Juno est en train d'essayer de percer les mystères de cette atmosphère aussi, enfin, de cette atmosphère, de cette planète géante gazeuse. Et aujourd'hui, en fait, la nouvelle, c'est que, alors voilà, là, une des tâches, par exemple, c'est quand même, c'est des tableaux, hein. Il y a des gens qui font du processing des images, c'est des vrais tableaux, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, la grande nouvelle, on va dire, c'est que Juno a fait le survol de Ganymède. Donc c'était un peu plus tôt dans la soirée. Ganymède, c'est le plus gros satellite naturel de Jupiter, mais c'est aussi le plus gros satellite de tout le système solaire. D'ailleurs, Ganymède est plus gros que Mercure, qui est considéré comme une planète à part entière. Donc Juno a fait un survol rapproché de Ganymède. Donc on va avoir d'ici quelques jours ou semaines, en principe, des images de cette lune géante. Et l'intérêt aussi, en fait, de ce survol, c'est déjà d'avoir des images, mais aussi, en fait, de préparer la mission européenne JUICE, dont je vais parler un tout petit peu après, parce que Juno va pouvoir mesurer, en fait, l'environnement de rayonnement et les changements dans la surface de la planète. Par rapport en fait à une mission précédente qui s'appelait Galileo, qui a fait des survols de ce satellite jupitérien, jovien, on dit plutôt, Je viens, oui. entre 95, 1995 et 2000. Galileo avait effectué en fait 6 survols rapprochés de la Lune Ganymède et avait donné des informations.
Donc ce survol de Juno va pouvoir donner un petit peu de mise à jour 20 ans après de certaines données et surtout l'environnement de rayonnement magnétique pour préparer la mission Juice, dont je vais faire l'enchaînement. Voici Juice en salle blanche avant son départ pour l'Agence spatiale européenne pour ses tests. Donc là, en fait, Juice est assemblé en Allemagne chez Airbus Defence and Space, donc pour le compte de l'ESA. Donc une mission européenne. Voilà quelques images. Et en fait, la mission de Juice qui doit décoller en 2022, c'est survoler justement les lunes glacées de Jupiter et notamment Ganymède, qui possède un océan sous sa glace de surface. Et on aimerait percer les secrets de toutes ces lunes froides, mais qui pourraient, qui sait, sous la glace de surface, avoir des océans et peut-être, on ne sait pas, des traces de vie ou je ne sais quoi. Enfin là, ça c'est le Graal, voilà. Mais on veut en savoir plus sur ces grosses lunes. Donc voilà des images de Juice en salle blanche avant son départ pour l'ESA. Ou à l'arrivée à l'ESA, non, avant le départ, avec une grosse antenne pour communiquer, parce qu'on est loin, évidemment. De la protection thermique, beaucoup, on est loin aussi du soleil, donc il va faire froid, va falloir tenir au chaud l'ensemble des instruments à bord de la mission. La mission Juice, on en reparlera, ça c'est très sûr, en tout cas sur la chaîne, parce que y a des instruments, enfin c'est une mission européenne déjà. Il y a des instruments aussi français à bord. On va en reparler. C'est une mission passionnante. Le survol de plein de lunes jupitériennes, joviennes, jupitériennes, je ne suis pas sûre qu'on le dit. C'est une mission passionnante. Décollage 2022. Voilà, on en reparlera forcément sur le blog et sur la chaîne. C'est une mission d'exploration planétaire comme on en rêve. Oui, elle est fabuleuse. Vraiment, là, l'Europe fait quelque chose. C'est la Cassini de Jupiter. C'est la Cassini de Jupiter. Oui, ouais. Oui, c'est une bonne, c'est une bonne analogie, effectivement. Cassini, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la mission effectivement ultime de l'ESA, de la NASA, et ESA et NASA autour de Saturne, qui nous a renvoyé des images fabuleuses. Notamment, et des données aussi, évidemment, scientifiques, et pour Jupiter, voilà, on va avoir cette mission Juice qui est vraiment super, et je pense qu'on en reparlera sur la chaîne et sur le blog. Voilà, pour Juno et puis Juice. On peut continuer avec la NASA et Jupiter, car ils ont aussi dans le viseur une grande mission qui s'appelle Europa Clipper. Alors, faut que je juste. Alors, je suis désolée, j'ai mis. Je dis tout de suite, je suis un peu à l'arrache sur certaines préparations. Parce que c'était. Voilà. On fait pas. Alors, Europa Clipper, c'est une des grosses missions de la NASA pour aller étudier une lune en particulier du système jovien. C'est vraiment la lune Europe. Une lune qui a une particularité, c'est qu'elle est quasiment intégralement recouverte de glace. C'est un peu la planète Hoth dans Star Wars. Moi, j'aime bien la comparer avec la planète Hoth de Star Wars. Sauf que elle a une particularité supplémentaire, c'est qu'on a vu que il y avait probablement, et même très certainement, un océan sous la glace. Mais un océan même à l'échelle de la planète. Un océan sous-glaciaire, sous plusieurs kilomètres de glace, qui serait éventuellement chauffé par du volcanisme sous-marin, car de temps en temps, il y a de l'eau qui est éjectée par des geysers, sous forme de geysers. Ces geysers ont pu être notamment photographiés lors, par exemple, du survol du système jovien par une des sondes Voyager, je ne me souviens plus laquelle. Et donc, ça rend cette planète très intéressante parce que, disons, un milieu aquatique, donc on ne sait pas trop si c'est vraiment de l'eau ou de l'eau avec quelque chose, mais ce qui sortait vraiment de la glace sous forme de geyser, il y avait pas mal d'eau. De l'eau, mais aussi des molécules organiques, parce que, disons, un milieu
ou aquatique. Chauffé, et ben nous sur Terre, on arrive à trouver des milieux qui ressemblent pas mal à ça. Vous allez au fin fond des fosses des Mariannes, avec du volcanisme sous-marin, à plusieurs kilomètres de profondeur, vous n'avez pas de lumière, comme dans un océan sous-glacé, et pourtant, et ben ça regorge de vie. Ça regorge de vie, la vie peut se développer dans ces conditions. Et c'est une des grandes espérances, hein, voilà, de la mission Europa Clipper. Ils ont vraiment ciblé la Lune Europe, alors que voilà, avec Jules, comme tu l'as dit, Isabelle, on va s'intéresser aussi à d'autres lunes. La mission Europa Clipper va faire en tout. Alors attendez que j'ai vu le nombre exact. À peu près 45 survols de la Lune Europe sont prévus sur 3 ans et demi de mission. Et certaines distances, certains vraiment, on va vraiment faire du vrai survol, hein, parce que ça varie entre 2 700 km au-dessus de la Lune, mais ça peut descendre jusqu'à 25 km au-dessus de la surface seulement. Et donc la mission, voilà, la sonde est équipée de nombreux voilà, instruments pour étudier en détail la Lune, notamment la répartition d'eau, la composition éventuellement d'eau qui pourrait sortir des geysers. Bref, le but, c'est de voir si pourrait héberger la vie comme on l'imagine, ou si même il n'y en a pas déjà un petit peu. Donc c'est pour ça que la mission Europa Clipper est une des missions prioritaires de la NASA et qu'ils sont prêts à déployer les grands moyens pour cette mission. Si bien que même le Congrès américain a proposé à de maintes reprises d'utiliser la SLS, le Space Launch System, la nouvelle fusée lunaire de la NASA, pour envoyer cette mission vers Jupiter beaucoup plus rapidement que par un lanceur lourd plus classique, de type Falcon Heavy. Avec le SLS, voilà, le voyage prendrait, je crois, 2 ans de moins. Ils sont très pressés de faire cette mission. Bon, aussi, ils sont très enthousiastes pour trouver n'importe quel prétexte pour utiliser le SLS. Oui, Parce que ça, il y a peut-être ça aussi, oui. c'est du côté du Sénat, c'est pour ça que pour l'instant le choix du lanceur n'a pas été fixé. Mais bon, voilà, ils sont prêts à déployer les grands moyens. C'est une grande mission de la NASA qui est prévue, Europa Clipper. Alors moi, dans le chat, je vous ai mis le lien vers le site que j'ai utilisé là pour un peu illustrer, parce que le site est évidemment est interactif. On peut voir le satellite en 3D, cliquer dessus. Bon, tout est en anglais, évidemment, mais bon. Voilà, Google Trad est votre ami quelquefois. Ça peut voilà, vous dire ce qu'est la mission. Je vous ai fait voir juste avant la façon. Enfin, il y a la représentation du système jovien, donc les différentes lunes. Voilà, la NASA, comme d'habitude, a des ressources de communication assez impressionnantes. Voilà. Si ça peut vous aider ou si vous voulez en savoir plus, parce qu'on aimerait aussi avec ces lives vous donner envie de regarder par vous-même aussi. Bien Voilà. sûr. Alors moi j'ai aussi nous avons une dernière mission à vous présenter pour Jupiter. C'est aussi une mission chinoise. La Chine a décidé cette décennie d'explorer quasiment tout le système solaire. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas vous parler de toutes les missions chinoises d'exploration planétaire. Mais il y en a une qui est prévue pour Jupiter, qui avait été imaginée maintenant depuis plusieurs années, qui, elle, va tenter de s'approcher d'une des lunes qui ne sont pas visées par les missions américaines ou européennes, simplement parce qu'elle est dangereuse. La lune Io, sans doute l'endroit de tout le système solaire où on a le volcanisme le plus actif, c'est la lune Io. Elle est tellement proche de Jupiter qu'elle est très fortement soumise à l'attraction, aux variations gravitationnelles de la planète. Ça fait vivre énormément la surface et bouillir le cœur. Bref, du coup, en surface, ça donne beaucoup, beaucoup de volcanisme. Si bien que, généralement, il ne faut pas trop s'approcher de la planète parce qu'on peut se prendre, on peut se prendre quelques débris potentiels. Mais la Chine a essayé quand même de tenter le coup avec une mission donc, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de design non plus, mais qui va tenter quand même de s'approcher de cette Lune, en plus d'étudier, bien sûr, un peu l'atmosphère de la planète. Cette mission, voilà, donc je vous dis, elle n'a pas de nom. Elle est composée en fait de deux sondes. Elle est composée de deux sondes. Il y a la sonde JSO et la sonde JCO. La sonde JSO, qui elle va s'intéresser plus à Jupiter, tandis que la sonde JCO, elle, va vraiment être dédiée à tourner autour de Io.
Et donc voilà, ça c'est une des missions à suivre. Pareil, la date de lancement est évidemment très très versatile. On n'a aucune idée de quand est-ce qu'elle pourrait être lancée, mais on pense, la plupart des gens pensent que c'est plus à la fin de la décennie, à partir de 2029. On pourrait voir ces deux missions partir en même temps, cette fois-ci aussi hein, pour Jupiter. Alors, je vous ai mis une image de Io par la sonde Galileo, donc de la NASA, prise en 1997. Et on voit des volcans, un peu de volcanisme. Elle n'a pas une très très belle tête, Io. C'est vrai que ça, elle fait un peu peur. On dirait une crêpe. Moi, ça me fait marrer Ah, ouais. cette lune. On dirait une crêpe. Moi, je dirais une planète avec des verrues. Enfin, donc, elle ne fait pas de bonne mine. Après, voilà. Et là, Après, c'était les crêpes que les. je fais ne ressemblent pas à ça non plus. Et précédemment, c'était l'image des quatre lunes principales de Jupiter. Donc, voilà, Ganymède, donc Io à droite, Ganymède, et j'ai déjà oublié les autres. Il y a Callisto et Callisto et Europe. Europe, voilà. Donc, Et puis après, on n'a pas Europe, encore, oui, non, donc, on connaît pas je le sais pas nom quelle des sorte. 75 autres lunes de Jupiter. Non, on les connaît pas. Par contre, elles ont un nom, je pense. Elles ont des Ouais. noms. Alors je crois qu'il y a certaines qui auront pour l'instant que des numéros, qui sont en attente Ouais, de d'être nous. nommées, parce qu'elles ont été confirmées officiellement il y a seulement quelques années. Je crois que la dernière fois qu'on a confirmé le nom qu'on a confirmé toutes ces lunes, je crois qu'il y en a eu une trentaine d'un coup. Et je crois qu'elles n'ont pas Ouais. encore toutes deux. Elles sont tellement petites que pour l'instant, c'est difficile de donner des noms à un objet qu'on n'a pas vu. Parfois, on les a juste aperçus. Et du coup, il y avait une question, est-ce que le découvreur d'une vie pourrait en décréter la propriété? Oula, je ne pense pas. Non. Mais. La réponse est non. En fait, c'est le traité de l'espace qui est décrit, parce qu'en fait, on ne peut pas s'approprier quoi que ce soit qui soit en dehors de la Terre. Ça, c'est pour le coup un traité qui a été signé par quasiment tout le monde. Si bien que voilà, on ne peut pas s'acheter un lopin de terre sur la Lune, tout comme on ne pourra pas acheter une espèce, un animal ou une bactérie. On ne pourrait pas acheter une bactérie qui se trouverait dans l'océan d'Europa Clipper, même si on en est le découvreur. Donc non, là pour le coup, y a au moins, y a peu de lois dans le spatial, mais il y a celle-là. Alors moi j'avais que on était alors en 2018 j'avais écrit je me souviens d'un article justement qu'on avait découvert 12 nouvelles lunes pour Jupiter. Donc au départ il y en avait 60 enfin jusqu'à présent jusqu'à 2018 il y en avait 67, on en avait 12 nouvelles et du coup voilà. Alors Aujourd'hui, après on est à effectivement 79. voilà, elles s'appellent il y a des noms un peu particuliers, ouais. Voilà. On commence à manquer de noms venant de la mythologie gréco-romaine. Après, il y en a qui sont très très loin, voilà. C'est bon. Il y en a une Donc, du quand même coup, qui avait été il nommée peut y avoir des mal nouvelles. étudiée. Voilà. Il y a quelques-unes qui ont été détectées simplement Ah non, t'as parce qu'elles ont raison. été capturées hein, par la planète. Donc Jupiter 79, oui, c'est ça. 67 plus 12, bah oui, 79. Il se fait tard, je crois que j'ai un peu Fait tard. mal. En fait, il se fait tard, si bien que nous avons fini de présenter toutes nos missions. Hein. Bah oui, on a essayé de vous faire un petit panorama de ce qui se passe. Je reviens de temps en temps. J'ai des problèmes d'affichage quand je passe d'un truc à l'autre. C'est pas terrible. J'essaierai de vous faire ça mieux la prochaine fois. Bah, ça fait quand même une bonne heure et demie qu'on est avec vous. On espère que ça vous a plu. Plaisir, merci pour les remarques. De mon côté, merci à Le Geek qui était sans doute un des seuls viewers à avoir suivi. C'est Donc, merci pas à toi. grave. On espère que ça vous plaît. On essaye de vous faire un rendez-vous par mois. Bon, avec l'été, on ne sait pas trop comment on va faire. Alors, ah si, pardon, justement, j'allais dire, posez vos dernières questions avant qu'on remette. Alors, est-ce qu'il peut exister une lune de lune? Alors, Une lune de lune. Alors, ça, je ne sais je pas. n'ai jamais vu, entendu parler de Après, ça. par exemple, Pluton a deux lunes. Charon et. Ah, j'ai oublié le nom de l'autre. Et l'autre, je ne connais pas son nom. Charon et. Et je ne sais plus, ça m'échappe, et je retrouve, qui en fait c'est un double système binaire, en fait elles tournent l'une autour de l'autre, en fait le centre de gravité des deux lunes est au milieu, en fait, grosso merdo, Effectivement. Effectivement. Et Hydra, ouais. c'était un des critères qui a déclassifié Pluton, notamment.
C'était pas le seul, hein, notamment le critère pour être deux planètes, c'était d'être seul sur son orbite. Donc, quand on a remarqué qu'il y avait d'autres planètes naines qui traînaient dans le coin de Pluton, bah, on a déclassifié Pluton, mais c'était une des autres raisons. C'est qu'effectivement, le barycentre de la planète, le barycentre gravitationnel, hein, vraiment le centre de gravité de la planète et de toutes les nuits qui tournent autour, doit se trouver dans la planète. Et donc voilà, entre Pluton et Charon, ce n'est pas le cas. Et alors, le geek précise que nous avons cinq lunes qui tournent autour de Oui, Pluton. c'est ce que Cinq j'étais lunes en connues. train. Voilà, cinq lignes connues. Donc il y a Charon, il y a Hydra, et j'étais en train de rechercher parce que je sais que j'avais pas mal écrit. Bah, je fais ma pub, hein, désolé, mais je suis là pour ça aussi. Bien sûr. Pluton, Charon, et il y avait Hydra, effectivement. Donc c'est pas entre les deux lunes, c'est entre Pluton et Charon que le barycentre est effectivement entre les deux et pas les lunes entre elles. Voilà. Voilà. Ben, je Après, une lune pense. de lune, non. Après, il y a des astéroïdes qui ont leur lune aussi. On a vu Oui. déjà des astéroïdes avec leur petite lune autour. Ça a déjà été observé. On a eu une image, d'ailleurs, il me semble. Voilà. J'ai pas suivi cette histoire. Ouais, j'ai déjà vu une ou deux images comme ça. Voilà, on va vous dire à bientôt. Merci à tous, hein. Merci Merci à tous pour ceux d'être passé. que ça intéresse. Donc je publie dans mon chat, donc il y a un heureux élu. Pour en savoir un petit peu plus sur l'exploration planétaire par la Chine, j'ai écrit, voilà, je fais à mon tour un petit peu de Bah promo, j'ai écrit un article dessus. Mais c'est ça, si vous allez sur mon blog, c'est le premier qui apparaît dans le champ de vue. Le dernier que j'ai écrit, que j'ai pas eu le temps d'en écrire d'autres depuis. Voilà, c'est un article qui vous propose un panorama de toutes les missions chinoises d'exploration planétaire. Il y a un petit peu d'actu sur la Lune, de Mars, de retour d'échantillons d'astéroïdes, un survol de comètes, Jupiter, et puis même au-delà, Neptune, ma planète préférée, et même vraiment une espèce de sonde Voyager, mais à la chinoise cette fois-ci. On a pas mal de missions côté chinois à attendre pour l'exploration planétaire qui se sont vraiment déchaînées ces dernières années. Donc, on n'attend plus que ça devienne une réalité. Pour le reste de l'exploration du système planétaire, ben, on voit qu'il y a d'autres pays qui commencent à arriver, que ce soit l'Inde, nous toujours en Europe, mais la Russie qui tente de revenir aussi dans le jeu, ou même voilà, des tout petits pays qui apparaissent. Par exemple, on ne vous en a pas parlé, mais je l'avais entendu parler il y a plusieurs années d'un CubeSat polonais pour Mars, qui pourra embarquer à bord d'un petit micro-lanceur de Virgin Orbit. Mais on a beaucoup de propositions de missions de CubeSat aussi, qui veulent étudier des planètes, parce qu'on a déjà réussi à le faire. Hein. Le JPL a pu envoyer déjà deux CubeSats accompagner la mission InSight pour survoler Mars et juste transférer des données. Donc voilà, envoyer un CubeSat vers d'autres planètes, c'est quelque chose qui se fait déjà. Le Japon, par exemple, avait envoyé plusieurs SmallSat accompagnant Akatsuki. Bon, ça s'était un peu moins bien passé parce que c'était plus dans l'ère des pionniers. Et beaucoup, beaucoup de missions maintenant apparaissent de plus en plus pour explorer notre système solaire. Et nous, on attend que ça pour vous en parler et continuer à faire le point dessus. Mais ça s'annonce très, très passionnant. Ces prochaines décennies de l'exploration planétaire s'annoncent très, très passionnantes. Voilà, ça c'est mon ressenti. Voilà. Ouais, il y a plein de choses qui se passent dans le spatial. Dans le chat, moi, on me dit, mais on veut pas. J'aurais voulu que vous parliez du James Webb télescope. Ben, on en parlera. Alors, on prend note. On vous en reparlera bientôt. Effectivement, voilà. Et puis, j'ai eu aussi un commentaire sur vivement le retour du programme Herbes. Alors, je fais du spoil. Je devrais aborder le sujet très bientôt sur la chaîne. Voilà. Ça, c'est un spoil, même Daniel n'est pas au courant. Mais bon, ça effectivement, hein, je suis d'accord sur Hermès, on est d'accord qu'on aimerait bien en savoir un petit peu Bah, plus. on va en parler, on va parler pourquoi. Voilà, moi sur la chaîne, je vais faire un live bientôt avec quelqu'un pour en parler. Pourquoi malheureusement le Je sais qui c'est. programme. Oui, tu sais qui c'est, évidemment. Mais oui, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas, qui connaissent pas ce programme. Et puis les raisons pourquoi finalement il a été abandonné, voilà. Donc pourquoi l'Europe n'a pas son propre système d'envoi d'astronautes. Mais ça sera autre chose. Voilà. Tant qu'à continuer dans la promotion, moi je fais plutôt un appel d'offres pour cet été.
Vu que le travail, je suis, voilà, je suis médiateur scientifique à la Cité de l'Espace et le travail a repris activement. Et généralement, cette période-là, j'ai beaucoup moins de temps, j'ai beaucoup moins de disponibilité pour être actif sur le blog. Et surtout que j'ai d'autres projets en plus de faire des articles. J'aimerais concevoir des vidéos. J'ai un premier projet qui est en cours. J'essaie de vous publier pour cet été. Si tout va bien, on croise tous les deux un peu. Pour continuer de faire vivre le blog, je lance un petit appel. Si vous aimez bien parler de spatial original, de New Space ou d'exploration complètement, de missions un peu farfelues, d'exploration planétaire de certains pays dont on n'a pas parlé, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit message pour voir si vous voulez en faire un article. Si ça correspond, moi, je vous accueillerai volontiers. Comme contributeur occasionnel, contributeuse occasionnelle, avec plaisir pour venir discuter un petit peu, faire vivre le blog Space Kiwi. Vous êtes les bienvenus pour ça. Sur les mois de juillet et d'août, vous serez les bienvenus. Voilà, Passage de relais, de relais, de relais, en fait. c'est Carrément, carrément ça. Daniel a contribué d'abord à mon blog avant de passer. J'ai fait mes débuts Voilà. chez Rêve d'Espace, Voilà. hein, Ah, non, mais c'est effectivement. bien. Voilà, on n'est pas en concurrence. On parle des choses de toute façon, d'une autre façon, même si quelquefois on traite les mêmes sujets. Mais on est. Voilà, on est. C'est ça On qui est se bien. complète, Voilà. c'est ça qui est On... génial, c'est qu'on se complète. Alors, Alors, à eh bien, si nous bien. terminions cette soirée, À bientôt à tous. On vous dit bah, bien, bonsoir à merci tous. d'avoir suivi ce live. On espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt et surtout, continuez de rêver. À bientôt à tous, passez une Salut! bonne soirée et merci beaucoup.